des cieux. Nous voulons élever nos cœurs devant toi, Seigneur. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Bénissons le Seigneur pour votre ferveur dans la prière. Nous sommes encore à ce moment de prière, ce moment d'intercession. Nous voulons intercéder. La Bible nous appelle à intercéder.
Et nous voulons demeurer dans cet esprit-là. Regardons ce verset de la Bible qui nous encourage à vraiment intercéder. Ésaïe 62, verset 1 à 3. Un homme de prière doit être un homme qui se laisse conduire par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous indique comment il faut prier. Amen. Et comment orienter nos prières. Nous lisons. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Yes. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons titré ce temps de prière, je ne me tairai point. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je ne me tairai point. Amen. Nous voulons, bien aimés, nous aussi, en tout cas, prendre cette détermination, comme le dit cette prophétie d'Ésaïe, je ne me tairai point. Ça doit être une décision formelle. Ne pas nous taire jusqu'à ce que nous voyons Dieu intervenir. Et ça, c'est important. C'est l'engagement que Dieu nous demande dans ce temps de prière. Ici donc, cette prophétie d'Ésaïe se rapporte au peuple de Dieu qui se trouvait à cette époque dans une situation chaotique, une situation difficile. Parce que le peuple connaissait la captivité, déporté en Babylone, loin de Jérusalem. Vous savez, Jérusalem est une ville stratégique, une ville très importante pour le peuple de Dieu. Et Jérusalem représente beaucoup pour le peuple de Dieu. Et savoir que Jérusalem est dans la souffrance, dans les difficultés, Ésaïe avait comme le cœur brisé. Son cœur était déchiré. Et il ne voulait pas rester dans l'indifférence face à cette situation. Bien-aimé, notre prière pendant ce moment, que Dieu nous donne de voir les choses comme Ésaïe voit. Il ne pouvait pas supporter que son peuple soit dans la souffrance, dans la servitude. Il ne pouvait pas accepter cela, que la ville sainte où se trouve le temple de l'Éternel, symbole de la présence de Dieu au milieu des hommes, que cette ville soit détruite. Il ne pouvait pas supporter cela. Il se lève avec un cœur vaillant, un cœur d'intercesseur. Il va dire, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Amen. Il va s'engager donc dans une attitude de combat. Il va choisir de ne pas se taire. Bien-aimés, on aurait pu nous aussi dire, à cause de l'amour de mon pays, de ma nation, je ne me tairai point. Amen. À cause de l'amour de mon peuple, je ne me tairai point. À Amen. Cause de ma famille, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause de mes enfants, à cause de mes frères et sœurs, je ne me tairai point. Bien-aimés, nous croyons que cette parole d'Ésaïe peut être aussi notre parole à ce temps de prière. Oui. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous taire. Et Dieu nous invite pendant ce temps de prière à nous lever dans le combat, dans la prière, pour plusieurs sujets que nous allons tout à l'heure énumérer. Ensemble, bien-aimés, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de l'œuvre de Dieu, pour l'amour de l'Église, pour l'amour de nos frères et de nos sœurs, pour l'amour de notre nation, bien-aimés, engageons-nous à ne pas nous taire. Alléluia. Approchons-nous du Seigneur, s'il vous plaît. Merci. Et prions le Seigneur. Le nom de Jésus, Père. Oh, bébé. Le Dieu de toute force. Merci, Seigneur, de nous interpeller au travers de ces paroles prononcées ici. Pas ton serviteur, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point.
Il entend pour l'amour de Jérusalem. Je ne prendrai point de repos. Tu nous invites à nous lever dans la prière. Bien-aimé, il y a une raison qui doit t'amener à te lever dans la prière. Peuple de Dieu, lève-toi dans la prière. Intercesseur, lève-toi dans la prière. Serviteur de Dieu, levons-nous dans la prière. Cette heure nous appelle à la prière. Dieu veut que nous puissions résolument nous engager, intercéder pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, pour l'œuvre de Dieu, pour les nations, pour les gouvernants de ce monde, pour la jeunesse, pour toutes ces nations qui sont en difficulté. Je refuse de me taire. Je ne me tairai point. Seigneur, merci. Point. Pour tout ce qui se passe sous nos yeux, pour toutes ces âmes qui meurent sans connaître Christ, je refuse de me taire quand je vois les ténèbres envahir les villes, quand je vois l'ennemi détruire ce peuple, ce monde. Seigneur, je ne me tairai point. Car jour et nuit, quand je vois tous ces dégâts causés par l'ennemi dans les familles, dans les foyers, je ne me lasserai dans la vie des uns des autres, je ne me tairai pas. Quand je vois tous ces scandales, freiner l'œuvre de Dieu. Seigneur, je ne veux pas me taire. Je te supplie, Seigneur, fais cette chose. Oui, j'aime l'éternel. Merci, Seigneur. Je l'aime l'éternel. Alléluia. Bien-aimé, regardez ce qui est en train de se passer dans ce texte. Je veux que Dieu nous donne d'aller au-delà de la lettre, de vivre et de ressentir ce que Ésaïe ressentait. Ésaïe a décidé de se lever dans la prière. Et bien aimé, le peuple de Dieu doit se lever dans la prière. Nous sommes dans les temps où la prière doit s'emparer de toutes nos congrégations. Que nos lieux de culte deviennent des lieux de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Il y a trop de choses qui ont occupé la place de la prière aujourd'hui dans le cœur du peuple de Dieu. Mais tout est question de l'amour que nous portons dans notre cœur. Ici, Ésaïe dit ceci, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. C'est cela, bien-aimé. Nous allons prier pour que Dieu envoie un réveil dans le domaine de la prière. Que Dieu suscite des intercesseurs pour notre temps. Il a dit, Pierre était en prison, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Nous devions faire lever des prières vers Dieu en faveur de nos vies, en faveur de nos nations. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure de prier pour certaines nations qui sont en difficulté, pour que Dieu fasse lever sa gloire sur ces nations. Que Dieu envoie un esprit de réveil dans le domaine de la prière. Que les assemblées où l'esprit de prière n'est plus en vogue, que Dieu permette un réveil. Nous allons prier ensemble, prions Dieu. Seigneur, apporte ce réveil. Apporte ce réveil dans la prière. Je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem,
je ne prendrai point de repos. Seigneur, envoie l'esprit de prière. Je ne me tais. Visite ton peuple encore. Seigneur des hommes, des femmes, conscient des défis de notre époque, conscient des menaces, conscient des ravages causés par l'ennemi et qui accepteront de se lever dans la prière. Je prie, Seigneur, que ces assemblées où l'esprit de prière est comme éteint, je prie pour nous. Jésus, qu'il y ait un réveil, qu'il y ait des croisades de prière, des rendez-vous de prière. Seigneur, trop de choses aujourd'hui nous ont détourné de ce qui est essentiel. Ton peuple aujourd'hui se complaît la bien des choses qui ne sont pas son appel, mais tu nous appelles, oh Dieu, à demeurer dans la prière, à genoux, dans l'intercession, dans l'adoration, dans la louange. Tu veux un peuple qui se lève dans la prière. Je ne peux faire point. Envoie là où il y a la mort spirituelle, là où il y a la tiédeur, la léthargie. Nous prions maintenant, Mère, tout cela. Champ de bataille, qui est la prière. Nous demandons un esprit nouveau, un vent nouveau, puisse souffler. Oh mon Dieu, entend ma voix. Jésus-Christ entend ma voix. Nous allons prier. Bien-aimés, peuple de Dieu, ayons les yeux ouverts. Regardons comment les ténèbres sont en train de couvrir les nations. Regardez comment l'ennemi est en train de détruire des vies, les précipiter à l'enfer. Peuple de Dieu, je veux que nous soyons de ceux-là qui s'engageons à ne pas nous taire devant tout ce que l'ennemi est en train de causer au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, en RCA, dans bien des pays d'Afrique, en RDC, dans la pointe de l'Afrique, nous voyons comment l'ennemi est en train de causer des dégâts. Nous allons prier pour ces pays, pour le Mali, que ces troubles qui se sont installés en Guinée, en Côte d'Ivoire, partout, tous ces pays où il y a des confrontations, des guerres, des conflits, des tueries, des crimes qui se commettent chaque jour. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, à cause de l'amour pour ces nations, nous ne voulons pas nous taire. Apportons ces pays à Dieu. Que Dieu instaure sa paix. Au Burkina Faso, nous prions pour ce pays. Parce que Dieu a un peuple dans ce pays. Nous prions pour le Mali. Parce que Dieu a un peuple au Mali. Nous prions pour la Guinée. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour la RDC. Nous prions pour le Congo au Brazza. Nous prions pour tous ces pays qui sont troublés par les guerres. Oh mon Dieu, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. A édifié des forteresses, nous les renversons pendant ce moment. Nous prions, Seigneur, et dans ta main, agis. Et dans ta main, mon Dieu, interviens et agis puissamment par le Saint-Esprit. Que tous ces démons assoiffés de sang, chaque jour, des personnes sont tuées. Seigneur, pour l'amour de Sion, pour l'amour
du Burkina Faso, pour l'amour du Mali, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, pour l'amour de la Guinée, pour l'amour de la RCA, pour l'amour de la RDC, pour l'amour du Congo, pour l'amour de la Somalie, de l'Éthiopie, du Gabon, du Cameroun, pour l'amour du Maghreb, pour l'amour de la Libye, pour l'amour de tous ces pays. Seigneur, je ne veux pas me taire. Seigneur, que ton salut paraisse, que ta délivrance paraisse, comme l'aurore. Accorde la délivrance de toutes ces forces ténébreuses qui attaquent ces nations. Derrière ces attaques, nous voyons des entités spirituelles. Mais au nom de Jésus, nous les repoussons maintenant même. Nous les repoussons, tous ces esprits de guerre. Nous les repoussons au nom de Jésus. Jésus, le Dieu des armées, reprends à nos cris, reprends à nos prières. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier pour l'Ukraine. Mais particulièrement prier pour l'Église en Ukraine. Nous savons que l'Ukraine est un pays qui est favorable à l'Évangile. Nous avons des serviteurs de Dieu qui y ont implanté des grandes églises. Et pendant cette période de guerre, l'Église est en détresse. On a des frères là-bas, il y a des Africains qui sont en difficulté en Ukraine. On va prier pour eux, on va prier pour ses frères, on va prier pour cette partie du monde qui est en ébullition. Nous ne savons pas jusqu'à quoi cela va aller. C'est vrai, il y a les signes des derniers temps, mais cela ne nous empêche pas de prier. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Prions pour ces familles en difficulté. Prions pour toutes ces personnes qui vont mourir sans connaître Christ. Que Dieu fasse grâce. Prions même pour ceux qui sont en Russie, dans cette guerre, que Dieu puisse permettre que la paix revienne. Surtout que l'Église soit sous la garde de Dieu. Que les enfants de Dieu qui sont en difficulté, que Dieu les secoue. Bien-aimés, prions ensemble. Pour l'amour de nos frères dans le monde, qui sont martyrisés partout. Tous les enfants de Dieu qui sont en difficulté. Pour l'amour de Sion. Pour l'amour de Jérusalem. Pour l'amour des serviteurs de Dieu, des missionnaires qui sont dans ces endroits où il y a la guerre, où il y a toutes sortes de difficultés. Je ne me tairai point, je ne me donnerai point de repos. Seigneur, agis au nom de Jésus. Et tends ta main et agis, mon Dieu. Jésus. Alors, peuple de Dieu, sauve la vie. Nous pouvons nous aussi le dire, comme Jésus. Esaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de l'Église, pour l'amour des frères et sœurs, pour l'amour de nos familles, pour l'amour de nos enfants, pour l'amour de tous ceux qui nous sont chers, pour l'amour de ce peuple qui meurt sans connaître Dieu, je ne me tairai point. Nous devons donc crier à Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Et ici donc, c'est ce que Esaïe est en train de dire. Il dit jusqu'à ce que, priez jusqu'à ce que, c'est la détermination dans la prière, priez jusqu'à ce que une réponse soit donnée de la part de Dieu. Bien-aimé, Esaïe s'engage. Restons engagés dans la prière, restons au front de la bataille, car Dieu seul
puis accorder le salut. Amen. Que ce salut soit accordé à toutes ces nations pour lesquelles nous avons prié. Au nom de Jésus. Et il est dit, et l'on t'appellera d'un nouveau nom. Que Dieu donne un nouveau nom à ces nations. Les nations africaines, où on dit nations pauvres, nations en guerre. C'est toujours des nouvelles tristes que nous entendons. Que Dieu donne un nom nouveau à toutes ces nations. Que ce soit des nations prospères, des nations bénies, des nations développées. C'est ce que nous voulons de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun et que sa grâce soit votre partage. Pour l'amour de Sion, ne nous taisons pas, bien-aimés. Pour bien-aimés, l'amour de Jérusalem, ne nous donnons pas de repos. Que Dieu nous bénisse. Amen.